En marge de sa participation au sommet qui s'est ouvert ce lundi 17 mai à Paris, capitale de la France, sur les financements des économies africaines, le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre la RDC et le FMI. Le Fonds monétaire international avait pris l'engagement d'apporter un soutien financier de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre de la nouvelle allocation de droits des tirages spéciaux en discussion au G20. Pour cette troisième rencontre de la série avec la directrice générale du FMI, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était entouré, entre autres, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de son directeur de cabinet adjoint, André Wameso, ainsi que d'autres proches collaborateurs.